Amen. Je crois que j'ai fait, il reste deux ou trois services. Je vais me faire un peu d'argent. Yes, it's true.
pour ce peuple de l'Est de la vallée. Et nous croyons que tu l'accomplis autant là-bas au loin pour maturité tabernacle. Bénis l'épouse, Père, c'est toi qui l'appelle. Et nous voulons une plus qu'elle entend ta voix. Parle-nous encore, notre Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Étalez-vous sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Je crois que l'heure est légèrement avancée, il est pratiquement une heure. Comme nous devons repartir sur Paris, nous voulons profiter juste de faire un tout petit bruit pour quelques mots et que Dieu conduise le reste pour sa gloire. Amen. Shalom. Shalom. Je me sens encore heureux d'être au milieu de vous. Amen. Je crois qu'il y a bien une année, nous étions ensemble ici. Et Dieu pouvait nous conduire, de pouvoir témoigner son Saint-Nom, je crois que c'était en 2022. Et aujourd'hui, Dieu a encore fait grâce que je sois là parce que je vous aime. Amen. Et je réalise que vous m'aimez aussi. Amen. Et l'Église qui prie beaucoup pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Shalom. Shalom. Il y a une équipe qui m'a accompagné. Je crois qu'elle a été présentée par le pasteur, qui lui le bénisse également. Amen. Alors sans plus tarder, je vais directement dans le livre de Rite. Rite au premier chapitre. Je prends juste le verset 22. Vraiment par la grâce du Seigneur, je vous promets que je vais essayer de courir. On essaie de gagner le temps parce qu'il est pratiquement une heure et l'heure est légèrement avancée. Rite au premier chapitre. Je prends le verset 22. Il est bénisse le pasteur Franck. Il m'a cédé son bureau. Qu'il le bénisse richement. Ça, c'est son bureau. Et je crois que si cette opportunité nous a accordé, nous devons toujours en être reconnaissants. C'est un temps d'égoïsme, de la méchanceté, mais que cela soit c'est une bénédiction pour ce peuple de l'Est de la vallée. Je lis alors au verset 22, et qu'il est écrit: ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. 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 Et rapidement, où je lis directement dans. Prenons alors le prophète. Joël, le chapitre 2. Joël, chapitre 2, je prends directement depuis le verset 25. Joël, nous lisons. Je remplacerai les années qui ont dévoré la souterraine, le Chélec, l'Asie et la Gazan. Et les Gazan. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez. Amen. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, Amen. Qui aura fait pour vous des prodiges. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, Amen. Et que je suis l'Éternel, votre Dieu, Amen. Et qu'il n'y aura point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Nous remettons la puisse l'Éternel vient ajouter toutes ces bénédictions à l'écrit de sa parole. Amen. Vous pouvez bien vous asseoir et que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Gloire sera mère les carnes. Vous vous sentez bien? Amen. Je le réalise parce que je vois qu'il y a l'engouement, ce qui témoigne qu'on se sent bien pour la gloire du Seigneur. Amen. C'est moi qui a peut-être des visiteurs parmi nous. Le pasteur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je peux me représenter, je suis votre bien-aimé frère Adrien Zita. Je sais juste de faire un peu de bruit du haut de la chair. J'ai un petit peuple que je conduis là-bas au Gabon, plus précisément à Libreville. Dans l'auditoire, l'église appelée Maturité Tabernacle. Amen. Là, je crois qu'eux venaient déjà de terminer, à l'heure que nous prenons leur relève. Je crois que Dieu pourvoira afin qu'on puisse dire quelque chose qui puisse édifier le peuple de Dieu. Amen. Encore une fois, je salue le pasteur Franck, Amen. Sa charmante épouse et toute sa petite famille, sans oublier cet auditoire qui le soutient. Amen. Et Dieu vous bénisse du grand soutien que je peux réaliser, que vous accordez au pasteur. Amen. C'est un très bon témoignage. Amen. Et Dieu a permis que je fasse aussi la connaissance de mes bien-aimés frères, particulièrement le pasteur Jonas. Et j'ai entendu qu'il y a le bien-aimé frère qui venait encore et il est passé par la prière. Je crois que pour moi, c'est un grand privilège. Amen. Amen. Que cette occasion bénie puisse perdurer, que nous puissions continuer avec. Et pourquoi pas me voir encore de l'autre côté, en répétant quelques mots à ce sujet pour la gloire du Seigneur. Merci encore. Alors, je voulais parler juste d'un petit point, peut-être en courant. C'est des points qui ne sont pas nouveaux pour vous. Je crois bien par la grâce du Seigneur. Et je confirme, et le pasteur Franck n'a manqué de vous en parler, et mes prédécesseurs, surtout dans l'œuvre, vous pouvez aussi y passer pour en parler, n'ont pas manqué de suggérer cela.
c'est pour moi un grand sujet de joie. Amen. Amen. Alors, comme je pouvais peut-être le dire autrefois quand j'étais là, toute ma jeunesse, j'ai m'étais attaché à ce message. Peut-être que j'ai dit, n'avait pas permis que je connaisse déjà mon bien-aimé frère Jonas de Biligny. Et que c'est une église depuis son commencement, j'étais là. Amen. Depuis que nous prions peut-être sous les nattes, j'étais toujours là. Et j'ai grandi à Kinshasa toutes mes études avant de me retrouver dans les pays étrangers. Alors pour moi, quand je me retrouve devant les frères bien-aimés qui aiment la parole, qui témoignent la parole, je crois que j'aime me placer quand même quelque part pour dire au Seigneur, tu as béni mes bien-aimés frères, tu peux aussi me bénir pour l'heure de ta parole. Cela restera pour moi une grande bénédiction. Et je crois que Dieu le fera afin que son nom soit élevé. Amen. Alléluia. Amen. Et si je ne sais comment m'introduire, mais que Dieu seul nous conduise pour pouvoir témoigner sur son nom pour ces quelques petits mots. Et je voudrais un tout petit peu, j'aime bien les tableaux, je ne sais pas pourquoi. Les tableaux, c'est pour moi un grand ami. Je voudrais parler sur Bethléem restauré. Amen. Bethléem, restaurer. Ça ne me gêne pas. Merci Seigneur. Alléluia. Je crois en entendre déjà les aigles montent les auteurs pour essayer de saisir quelque chose à ce sujet. Amen. Amen. Bethléem, restaurer. Oui. Alors vous savez, le monde ecclésiastique, le monde religieux est en train de mourir. Simple fait, parce qu'ils ont ignoré qu'en effet, l'épouse qui a la promesse de l'enlèvement, l'épouse qui croit parfaitement aux promesses de Dieu, vit dans un autre âge. Alléluia. L'épouse n'est plus dans l'âge pentecôtiste. Amen. Alléluia. Amen. Si en effet un messager a été envoyé à l'épouse, c'est que l'épouse doit d'abord identifier qui est ce messager. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je précise que s'il y a un messager qui a été envoyé à l'épouse en ce dernier temps, c'est que l'objectif premier de l'épouse c'est d'identifier ce messager, de le reconnaître. Alléluia. Les recevoir et les suivre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour nous amener à ne pas adorer en dehors de la parfaite volonté de Dieu. Amen. 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 Il y a une adoration qui nous est restaurée. Il y a une adoration que Dieu n'a jamais écartée depuis le commencement. Et cette adoration doit être maintenue pour l'épouse en ces jours. Afin d'être à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ainsi, la fin dernière heure de mon passage, et la petite visite qu'on a eue pour vous ici, accompagnée de mon frère Baudry, nous avons parlé de la restauration et la dernière vivification. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'enlèvement. Amen. Je crois que vous gardez encore le sujet. Amen. La restauration et la dernière vivification, alléluia, amen, pour l'enlèvement. Et voilà qu'aujourd'hui, on vient tout petit peu nous parler de Bethléem restauré. Et nous devons savoir que l'épouse aujourd'hui vit sous la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle le messager qui a été envoyé pour accomplir la tâche d'apporter le message à Rebecca, devant voir un travail particulier qui ne pouvait se comparer à tous les messagers qui l'ont précédé. Exactement. Alléluia. Amen. Il venait avec la bonne nouvelle. Il venait proclamer l'évangile. Il venait proclamer ça de leur temps. Mais la réalité, la particularité, est que la promesse avec laquelle Dieu a dit promettre à l'épouse pour son appel, ce message-là ne pouvait pas marcher avec les âges passés. Alors, dans la prière du pasteur hier, il m'a marqué sur un point. Il pouvait dire que ce temps de rencontre qui nous a certainement réunis est plus favorable pour nous en proclamant la bonne nouvelle. Mais en achevant la prière, il pouvait dire
C'est des bonnes nouvelles. Alléluia. C'est de proclamer les promesses de Dieu. Alléluia. Cette bonne nouvelle ne consiste pas à les dire aux gens. Alléluia. Allons simplement à l'église parce que nous devons nous aimer les uns les autres. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, alléluia, c'est de faire connaître à l'épouse les promesses de Dieu pour aujourd'hui. Alléluia. Les promesses de Dieu pour cet âge. Amen. Parce que nous vivons dans un âge d'or. Et si l'épouse n'est pas conduite à entendre les promesses qu'il a concernées, alléluia, nous risquerons de vivre dans un autre âge. Et nous risquons de vivre dans un âge passé. Et ignorant en effet qu'il y a déjà la vivification pour l'enlèvement. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est un sujet de joie. Alors, autour de cette prière, il faut toujours revenir sur un point concernant la communion. Amen. Il dit, nous sommes autour de la communion. Voilà cette communion que Dieu nous a accordée dans la maison de notre frère Richard. Les frères venant de ça et là, l'invitation particulière du pasteur Jonas nous rassemble et l'occasion avec que nous sommes retrouvés. Bien fait, on doit savoir. Amen. Je n'ai une communion réelle avec mon frère Jonas. Alléluia. Je n'ai une communion réelle avec mon frère. Au combien? Honoré. Alléluia. Et je n'ai qu'une promesse réelle, une communion réelle avec mon frère. Lui. Et rien que quand nous trois et quand nous quatre étant dans un même bateau, nous regardons dans une même direction. Alléluia. Là alors nous pouvons parler de la communion. Amen. Jamais on n'aura une communion, les uns regardant à l'est, les autres à l'ouest, les uns derrière, mais ça ne marchera jamais. Nous avons une communion réelle que si nous regardons tous dans une même direction. Alléluia. Amen. J'aimerais encore ce matin que vous regardez dans cette même direction. Que le Seigneur bénisse l'offre de l'Éternel. Alléluia. Alors, on pouvait dire la restauration et la vivification. Alléluia. Était-elle rendue possible pour que le pouce s'attende à l'enlèvement? Parce qu'il nous est dit que c'est une restauration. Et c'était une dernière vivification pour l'enlèvement. Et nous proclamons l'enlèvement dans toutes nos églises, ce qui est tout à fait normal. Alléluia. Nous croyons que c'est l'âge de l'enlèvement. Bien le faire. Amen. Nous croyons fermement qu'il y a un flash d'information. Alléluia. Il y a un flash d'information que l'épouse essaie de dire. Amen. Qui lui permet de se préparer en vue d'être enlèvement. Alléluia. Et si ce flash d'information ne prend pas la première place du haut de la chair, l'épouse ne se préparera jamais. Alléluia. Et le plus grand flash d'information, ce n'est pas non plus proclamer aux gens qui est le pasteur le plus riche du monde. Non plus proclamer aux gens qui est la plus l'église la plus belle du monde. Non pas proclamer aux gens qui est celui qui est la plus grande renommée, mais l'épouse, alléluia, est appelée à entendre un flash particulier. C'est lui qui l'amène à savoir. Alléluia. Aujourd'hui, Bethléem est restauré. Alléluia. Et si l'époux ne peut pas avoir cette information d'une manière particulière, alléluia, et ne se préparera jamais pour être enlevé. Alléluia. L'unique voix qui amène l'épouse aujourd'hui à se préparer, c'est qu'elle est menée à entendre que Bethléem est déjà restauré. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Il aurait fallu que Bethléem, amen, soit restauré en ce temps-là pour que Naomi se lève. Alléluia. Naomi ne pouvait pas quitter. Alléluia. La dénomination, Moab là où elle était, et dire que je retourne chez moi, sachant bien que je retourne dans la même dénomination. Et je veux savoir que si je quitte la dénomination, c'est que chez moi, alléluia, et bien que est déjà restauré, chez moi, abandonner la dénomination, je vais abandonner le système, je vais abandonner ce qui m'a donné esclave, parce que l'épouse a un message tout à fait nouveau. Alléluia. Quand le flash d'information a traversé l'oreille de Naomi, et ce flash d'information, ce n'est pas RFI.
Alléluia. Ces plaques d'information, ce ne sont pas les coups d'État en Afrique. Alléluia. Amen. Mais ces plaques d'information qui a bousculé Naomi, c'est que Naomi était rassurée. Alléluia. Et chez moi, là-bas, à Bethléem. Alléluia. La nourriture est revenue. La vie est revenue. L'eau est revenue. Les dons sont revenus. La puissance est revenue. La vie de parole est revenue. La gloire s'est là à ce point, Naomi. Naomi a dit, il est temps. Je retourne chez moi. Je repars à Bethléem. Parce que Bethléem est restauré. Alléluia. On va prier l'Éternel. Elite aussi qui a entendu la fuite d'information. Alléluia. Mais maman retourne pourquoi? Naomi retourne pourquoi? L'information a traversé son cœur. La prédestination a commencé à agir. Il dit que attention. Alléluia. Si tu vois Naomi bouger, ne reste pas. Si tu vois Naomi bouger, certainement. De l'autre côté, il y a un héritage qui t'attend. De l'autre côté, l'héritage qui t'est prédestiné d'attendre votre côté. Certainement un
a eu l'origine du commencement qu'on a appelé zéro. C'est là où le cycle a commencé. Et voilà le cycle qui avance. Alléluia. Ça décrit certainement un angle. Ça décrit un autre angle. Ça décrit encore un angle. Ça, c'est le cycle qui continue. Alléluia. Et là, nous arrivons au dernier. Amen. C'est le dernier cycle qui est le cycle qui clôture. Vous la comprenez? Frère Branham dit, nous savons que c'est le temps qui achève le cycle qui a commencé. Alléluia. Même les véhicules que vous voyez, ça a un cycle. Et s'il n'achève pas le cycle, le véhicule ne peut pas se déplacer. Et si le cycle ici n'est pas achevé, il n'y a pas d'enlèvement. Vous savez si nous sommes ensemble. Rien que le cycle achevé, qui fera que l'enlèvement puisse avoir lieu. Alléluia. Vous remarquez que quand le cycle s'achève, par là où il a commencé, c'est par là aussi qu'il s'achève. Alléluia. S'il a commencé à zéro, c'est le même qui s'achève. Alléluia. Au même endroit où il a commencé. C'est pourquoi il a dit, moi je suis Alpha et je suis aussi Omega. Alléluia. Il part là où j'ai commencé, c'est là où je termine. C'est pourquoi la même Pentecôte au commencement, la même Pentecôte aujourd'hui. Pas le système. Alléluia. Alléluia. La même vie qui était à Bethléem, qui avait fait que, amen, à cause des dénominations qui ont dévoré l'arbre, à cause de, alléluia, regardez, la sauterelle a pris sa place, l'échelette a pris sa place, Yassine a pris sa place, amen, amen, mais Dieu dit, je restaurerai, alléluia, même les casans, vous croyez que c'est qu'il a pris ça, il est le Dieu a promis, je restaurerai, alléluia, et qu'est-ce qu'il a promis de restaurer, c'est de restaurer, alléluia. La même Bethléem qui produisait le pain, la même Bethléem qui produisait de l'eau, la même Bethléem qui donnait la vie. Alléluia. Dieu a promis que je restituerai, je vais restaurer la même Bethléem. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus. Alléluia. Amen. Avec cette petite partie, Bethléem ne pouvait pas être restaurée. Avec une deuxième partie, ça ne pouvait pas être restaurée. Alléluia. Ce n'était que des réformateurs. Il aurait fallu, alléluia, que la plénitude, amen, de la parole, la plénitude de la Pentecôte, vienne après l'achèvement de tous ces âges. C'est pourquoi l'âge de l'épouse sort de l'âge de l'Odyssée. Alléluia. L'âge de l'Odyssée est là, mais de l'âge de l'Odyssée est sorti l'âge de l'épouse. Alléluia. Et l'épouse, amen, et dans l'âge du commencement. C'est pourquoi ce n'est qu'un retour au commencement. Et quand nous parlons des âges, alléluia, les âges commencent de 1 à 7. Et vous êtes avec moi? Les âges commencent de 1 à 7. Mais quand Alpha commence, lui a commencé à 0. Vous êtes avec moi? Amen. Car les anciens naturels nous disent que pour que ça soit complet, il faut que ça commence à 0. Et les apôtres, amen, vous ne les trouverez pas dans les âges de l'Église. Et vous vécu dans l'âge zéro. Alléluia. Et aujourd'hui, quand tout finit, on entre au 8e âge qui n'a jamais été un chiffre qui existe. Et qui n'est rien d'autre qu'un retour au commencement. Ça, c'est n'est que le compte à rebours qu'on est en train de présenter à l'Église. C'est pourquoi quand tu prends le chiffre 8, tu l'ouvres, comme ça tu le trouves zéro. Ce n'est rien d'autre qu'un retour au commencement. Alléluia. Cela n'est rien d'autre que la restauration de ce qui était au commencement. Alléluia. Et elle nous dit, les âges ne pouvaient pas être en mesure de reproduire cela, mais pour reproduire ce qui était au commencement. Oh, que Dieu bénisse. Dis-moi, tu peux me faire vraiment. Est-ce que vous l'aimez? C'est l'Église qui aime écouter les prophètes. Amen. Toujours exposé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prends l'extrait. Le temps de dire, je les prends à partir de la iPad. Écoutez ce que nous disons la fois dernière. C'est à la page 369-370. Frère Madame dit ceci. Ainsi, contrairement à ce qu'on pensait,
La restauration et la dernière justification pour l'enlèvement n'étaient pas venues. Alléluia. Amen. Avec Luther, avec Wesley, avec les pentecôtistes, il n'était pas facile pour eux de reproduire, amen, la restauration qui avait existé. Amen. Donc, il aurait fallu la Pentecôte, amen, qui n'est rien d'autre que l'expérience du commencement, amen, et non pas un système ou l'organisation. Wow. C'est pourquoi il dit, la restauration et la dernière vivification pour l'enlèvement n'étaient pas venues. C'était plutôt un mélange où les enregistres avaient part à la bénédiction spirituelle et aux manifestations du Saint-Esprit. Comme nous n'avons cessé de vous le montrer, la puissance démoniaque y avait aussi un rôle. Puisque les hommes étaient sous l'empire des démons sans qu'aucun ne semble s'en rendre compte. Et ensuite, comme preuve que ne s'était pas livré, ces gens, avant même la venue de la seconde génération, se sont organisés. Ils ont rédigé leur doctrine contraire à l'écriture. Et ils ont élevé leur propre barrière, comme tous les autres groupes qui avaient précédé. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que vous êtes avec moi. Amen. Alors, remarque. Donc, les diables amènent un tout petit peu le trouble dans l'église. Quand le diable amène un tout petit peu de doctrine déplacée, Naomi, au lieu de s'attendre à celui qui envoie des hommes, vraiment, au lieu de s'attendre, c'est lui qui peut envoyer Jonas. Ah. Alléluia. Le diable est allé inculquer une notion contraire à Naomi. Quitte l'église, alléluia, pour te retrouver à Moab. Oh. Alléluia. Et n'ayant pas eu la révélation que Moab était une terre sèche, il n'y avait rien qui pouvait produire la vie à Moab. Amen. Alléluia. En allant à Moab, même le don qu'il avait, il l'avait perdu. En allant à Moab, même la lecture de la parole qu'il avait, il l'avait perdu. En allant à Moab, même la prière avant de manger, il l'a perdu. En allant à Moab, même payer la dîme, il l'avait perdu. En allant à Moab, même payer les offrandes, il l'avait perdu. Et en allant à Moab, on lui dit shalom, il dit bonjour. Alléluia. Naomi a perdu la vision qu'elle avait à Bethléem. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Moab, à Moab, Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu ses deux fils. À quelle enseigne que la vision de Moab et de Naomi l'a menée à aller lui comprendre, je suis réellement en où? Alléluia. Est-ce que je suis dans le message de l'heure ou je suis dans une église dénominationnaire? Alléluia. Ça a réveillé la conscience de Naomi pour dire, mais en effet, alléluia. Avec ça, je crois que je vais mourir. Amen. Il faudrait que je sache comment regagner mon pays, mais quoi faire dans l'éternel. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Il avait déjà le flash d'information. Alléluia. Amen. Laquelle une maison qui n'est pas visitée n'est pas bénie. C'est la vérité. Jamais du tout. Amen. Mais quand une maison est visitée, amen, si facilement Dieu peut vous conduire à comprendre comment donner un lien d'eau à quelqu'un, amen, comment céder un lien à quelqu'un, amen, comment partager votre être avec quelqu'un, et l'amour est mis à la porte à votre cœur. Cette église là est bénie. Et chaque don ici apportera une pierre. Chaque don ici apportera l'église à grandir dans la foi. Je retourne chez moi, c'est là où il y a la vie. Je retourne, alléluia.
Oh, que Dieu vous bénisse. Père Branham nous dit, quand vous lisez l'histoire de Rite, les ecclésiastes, ils disent que c'est une histoire d'amour et ça se limite là. Mais en effet, ce n'est pas simplement l'histoire d'amour qui nous importe. Non. Mais c'est la portée spirituelle. Non. Et c'est ce symbole-là qui nous importe. Alléluia. C'était des symboles, mais c'est la portée spirituelle. Pourquoi Naomi et pourquoi Ruth? Alléluia. Et voilà l'intérêt qu'au même moment que Naomi retourne chez elle, et à ce temps-là aussi que Ruth se réveille pour dire que moi je dois aller ensemble avec Naomi. Alléluia. Pour que Dieu bénisse. Au même moment qu'Israël regagne sa nation, c'est à ce temps-là que l'ange parle à Abraham. Même à toi, parce que Ruth aussi doit se déplacer. Il faudrait que Ruth aille trouver sa petite femme. Alléluia. Amen. Et nous avons tiré ce message de la prière qu'adressait William Marion Branham. Et qu'est-ce qu'il disait? Alléluia. Bethléem hier avait juste servi de berceau pour que lui puisse naître. Alléluia. Bethléem hier avait juste servi de berceau. Mais aujourd'hui, alléluia. Amen. Il veut trouver ces berceaux-là dans ton cœur. Alléluia. Il veut trouver les berceaux-là dans ton cœur. Oh, gloire de l'Éternel. Que Dieu bénisse. Parce que c'est vous qui devez manifester pour eux. Alléluia. L'eau de vie pour ce peuple-là. Et l'eau de vie est revenue aujourd'hui. Alléluia. C'est dans la vie d'église de nos mercenaires. Et d'aller au milieu des païens, de leur dire, amen, j'ai une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, le pasteur a dit, c'est proclamer les promesses de ce jour. C'est de leur dire que Bethléem est restaurée. Revenez à Bethléem. Revenez à Bethléem. C'est là où vous aurez l'eau à boire. C'est là où vous aurez du pain à manger. Parce que hier, tout est baisé. Alléluia. Amen. Tout a séché dans les églises, venir s'en rendre pas compte. Alléluia. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Le cycle est terminé. C'est cet âge qui clôture le cycle. Alléluia. Alléluia. Amen. On a commencé à zéro. Voilà. On est revenu à 8. 8 n'a jamais été un chiffre. Voilà. Dans les anciens naturels, pour ceux qui ont fait les bâtons, ils savent que ça part de 0 à 9. Amen. C'est ce que les mathématiciens nous disent. Oui. Ça parle de 0 à 9. Mais remarquez, 9 et 6, c'est le même chiffre. Amen. 8 et 0, c'est le même chiffre. Et le 8e jour n'existe pas. Et le 8e jour, c'est un retour au commencement. Et nous prions aux églises que le compte de vous est terminé. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes totalement convaincus que s'il y a un cri, le plus puissant qui doit répandre du haut de la chair. Alléluia. C'est Eliezer qui va faire Rebecca. Il faudrait que Rebecca aujourd'hui soit en mesure d'entendre la voix d'Isaac. Est-ce que vous êtes avec moi? Rebecca doit avoir les critères de la voix d'Isaac. Quand Isaac parle, Rebecca doit comprendre ce qu'il veut dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça, c'est la lourde tâche d'Eliezer. Eliezer n'avait pour devoir que de transmettre la voix d'Isaac à Rebecca. Alléluia. Rebecca savait que quand le pain est soulevé, ça signifie que c'est la communion. Quand de l'eau est... Alléluia. Rebecca doit connaître tous les symboles. Et raison pour laquelle il n'est pas pris à Bethléem. Bethléem n'a servi que de symbole. Alléluia. Ne paye pas les billets pour aller à Bethléem, mais Bethléem est ici. Alléluia. Alléluia. Problème de courir, payer les billets pour aller en Israël. Mais Bethléem est ici. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle toutes ces églises du monde, ils doivent entendre, reconnaître ce que Bethléem est aujourd'hui. Alléluia. C'est pour ne plus payer les billets inutilement. Car ça ne m'a servi que de ce bord. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de Bethléem naturel. Mais je connais. Alléluia. Et voilà, Père Bernard me dit, fais grâce à que ce peuple puisse voir qu'à Bethléem est maintenant. Oh, que le Seigneur bénisse. Écoutons. Amen.
Amen. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Et nous répétons cela avec assurance. Dans les messages, les grands réveils qui arrivent, c'est un message du 8 juillet 1954, au paragraphe électronique 51. Frère Branham dit ceci. Et la chose étrange en cela, que je pourrais ne pas savoir, les jours même où l'ange du Seigneur m'a commissionné. Alléluia. Les cimes, on précise 1946. Ils en ont écrit 45. Note des traducteurs. Et c'est ce jour-là qu'il m'a octroyé le don de prier pour les malades. Et c'est le même jour où Israël est devenu une nation pour la première fois depuis 2500 ans. Amen. Alléluia. Oh, je crois que quelque chose s'y cache. Je ne peux simplement pas m'empêcher de croire que nous sommes près de la fin du temps. Amen. Alléluia. Je ne peux pas m'empêcher. Amen. Nous sommes près de la fin du temps. Et qu'est-ce que l'épouse maintient? Garde. Dès maintenant, je me trouve à l'église Lisse de la Vallée. C'est que les tabernacles, le peuple, le fils et le fils de Dieu doivent être amenés à comprendre que le cycle s'achève dans cet âge-ci. Pas un autre âge, ni les âges passés, mais nous vivons dans l'âge où le cycle s'achève. Et quand le cycle s'achève, automatiquement il a dit, je suis Alpha, je suis Oméga. Au milieu ici, je ne vis absolument rien. Je ne connais que je suis Alpha et Oméga. Et c'est pourquoi il préfère dire que l'Alpha est devenu Oméga. Et Oméga est Alpha. Alléluia. L'Alpha est devenu Oméga. Voilà pourquoi la vision de l'épouse l'amène à comprendre aujourd'hui qui est le message. Alléluia. Qui prend la relève quand on entre dans l'âge des dépenses. Alléluia. Et qu'est-ce que Branham dira? Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. J'étais seulement là à côté quand lui était en train de faire ces choses. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, parce que c'est moi qui presse les âges. Mais c'est de lui qu'il s'agit. Lui dit le Fils de l'homme. Lui dit Jésus-Christ. Lui qui la parole. Et il est notre Bethléem. Alléluia. Le message est venu pour nous amener à Bethléem. Et oh, j'ai entendu le pasteur dire, amen. C'est une fois de plus, c'est Jésus-Christ lui-même. Non pas un homme, mais lui qui était Alpha. Il est le même qui est Oméga aujourd'hui. Alléluia. C'est que le message nous amène à lui qui était. Alléluia. Donc, le Bethléem aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Notre Bethléem aujourd'hui, tout c'est toute la parole. Amen. Cette parole qui avait créé, c'est cette parole qui a recréé. Alléluia. Quand il était au jour de sa chair, et c'est cette même parole qui restaure quand il est au milieu de nous sous forme de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous me suivez. Alléluia. Cette parole, c'est ça qui a créé. Amen. Et Jean a dit au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Cette même parole qui a créé, c'est celle-là qui est au jour de sa chair. Et au jour de sa chair, il a recréé cette église qui était en Éden. Alléluia. Et aujourd'hui, il restaure. Alléluia. Il ramène la même église qui était à la Pentecôte. Avec moi, qui est l'auteur de cette Pentecôte? C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand il venait sur les hommes et quand il entrait dans les hommes, il était sous forme de l'esprit. Il n'est pas le même aujourd'hui. Oh, mais c'est ça qui nous amène à croire qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement. Alléluia. Tout ce que le Seigneur. Alléluia. Joël a crié, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est que si l'église est dans la confusion, il y a encore un travail à faire. Parce que le peuple de Dieu ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu ne peut pas promettre et mentir. Si c'est Dieu qui a promis, il prendra soin de sa parole. Et mon peuple ne sera
l'Ecclésia nous dit que le symbole de l'épouse a vu la beauté spirituelle. Alléluia. Amen. Et nous remercions le Seigneur. Il aurait fallu qu'au temps où Naomi retourne, c'est à ce temps-là aussi que Ruth s'engage. Ruth, il est temps. Et vous remarquez, au moment que Israël se réveille, ici le temps des nations est terminé. Alléluia. Parce que Ruth, alléluia, Ruth est déjà entrée dans le repos. Ruth a déjà reçu l'expiation. Ruth a déjà reconnu son héritage. Alléluia. Ruth aujourd'hui dans le repos. Hier, Ruth devait prendre la décision. Hier, Ruth devait travailler. Donc aujourd'hui, Ruth se repose. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est qu'il y a des morts en Christ. Ruth est en train de se reposer. Mon Seigneur bénisse. Et qu'est-ce que Ruth attend la récompense. Alléluia. Et la récompense de Ruth, c'est d'aller au palais. Être avec lui à la maison. C'est Naomi qui a fait qu'elle parte de Moab. Elle a fait de sa propre décision par la foi. Alléluia. Mais regardez les camisères. C'est Naomi qui se retrouvera, Elite qui se retrouvera au palais, à la maison. On va Elite qui va s'entretenir. Alléluia. Elite va s'entretenir. Amen. Alléluia. C'est le retour de Moïse et Elite en Israël. Et de l'autre côté, amen. Alléluia. Le pouce a déjà réussi la dernière vivification. Alléluia. On va faire la dernière. Est-ce que vous êtes avec moi? Et puis le frère Branham. Je crois que vous l'aimez aussi. Amen. C'est parfait, Seigneur. Toujours dans l'exposé. Amen. Exposé. À la page 371. Frère Branham, ici. Avant de conclure, je voudrais dire ceci. Nous avons constamment parlé du grain de blé tombant en terre, puis faisant pousser des pousses, puis les graines, puis la véritable épi. Et le véritable épi. Certains pourraient se demander si ce que nous disons, si ce que les littériens n'avaient pas le Saint-Esprit, parce qu'ils se bornaient à enseigner la justification. Certains pourraient se poser des questions sur les méthodistes, etc. Et non, merci. Ce n'est pas du tout ce que nous voulons dire. Amen. Nous ne parlons pas des individus ou des champs, amen, mais de l'âge. Amen. Luther avait l'Esprit de Dieu, mais son âge n'était pas celui de la restauration complète, amen, par une nouvelle vision semblable à celle du début. Même chose pour Wesley, Booth, Knox, Whitfield et Brenner, Jonathan, Edward, Miller, etc. Certains, ils étaient remplis du Saint-Esprit, absolument. Mais l'âge dans lequel ils vivaient n'était pas celui de la restauration. Amen. Pas plus qu'aucun autre âge. Hormis le dernier. Alléluia. Amen. L'âge où les ténèbres de l'apostasie ont été englouties. Amen. Et les ténèbres. Et l'apostasie, tout a été englouti. L'âge où nous vivons. Et c'est celui de l'apostasie. Amen. Et c'est celui de la restauration. Amen. Alléluia. Amen. L'apostasie. Il y a les ténèbres, la restauration pour l'épouse. Amen. C'est dans lequel nous vivons maintenant. Et Paul en a parlé. Et c'est celui de la restauration. C'est l'âge où les cycles s'achèvent. Et c'est lui qui termine tout. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui, c'est vrai. C'est l'âge où les cycles s'achèvent. Et c'est celui qui termine tout. Amen. Aujourd'hui, si l'Église n'a pas la vision de la dernière vivification de l'épouse, elle continuera à prêcher comme la dénomination, et elle continuera à agir comme le système, mais il y aura que l'épouse est déjà sortie de la Odyssée. Amen. Alléluia. Ce qui amène la Odyssée dans la confusion, c'est parce qu'une fois, alléluia, qu'avec l'épouse et un dans la Odyssée, nous avons le même message. Rien du tout. Alléluia. Amen. Alléluia. L'épouse, c'est Ruth qui a eu l'information. Et Naomi retourne parce que la vie est révélée. Et je avec moi. C'est Ruth qui a prêté l'oreille. Alléluia. Quand
téléphoner. Quand tu téléphones, il y a des gens comme ça. Ouais. Ils parlent au téléphone, ils suivent aussi l'information. Voilà. Amen. Quand tu dis que tu parles, ils suivent tout ce qu'elle est en train de dire. C'est lui qui va appeler, monsieur le président. Attention, il y a un coup d'état qui se prépare. On va se poser la question, est-ce qu'il y a un prêtre dans le cas? Mais quand tu parles au téléphone, alléluia, il y avait aussi l'oreille qui était prêtée à tes côtés. Alléluia. Et quand on est en train de chuchoter avec Naomi, que Naomi retourne déjà au pays, alléluia, la vie est revenue, la joie est revenue, l'amour est revenu, la puissance est revenue, la guérison est revenue, tout est revenu au pays, alléluia. Et là où était Rite, il a dit, je ne peux pas rester. Au lieu de suivre Orpa, je vais faire un bon choix. Là où tu mourras, je serai là. Alléluia. Amen. Quand on va te racheter, je serai toujours derrière. Et je sais que je t'appartiens maintenant. Si on te rachète, moi aussi je serai racheté. Gloire soit à l'Éternel. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je crois que nous sommes ensemble. Oui. Branham est prié. Il dit, oh Seigneur, fais grâce que ce peuple soit amené à voir. Alléluia. Quand Bethléem est en train d'être restauré. Allons dans pourquoi la petite Bethléem. Un message du 28, 12e mois 1958. Merci Seigneur. Un message du 12e mois. Ok. Pourquoi la petite Bethléem? Est-ce que vous aimez le message? Amen. Je pars depuis le verset, le paragraphe 136. Écoutez la prière de William Marie Branham. Je te prie, Père divin, d'être miséricordieux envers chacun d'entre nous qui sommes présents maintenant. Voudriez-vous qu'il soit si miséricordieux? Amen. Et puissions-nous venir à ta Bethléem? Oh, venez tous fidèles. Comme nous l'avons chanté, venez à Bethléem. Seigneur, fais-leur voir qu'il ne s'agit pas de se rendre dans une petite ville là-bas, qui une fois servait de symbole, mais c'est de se rendre à la réalité, virgule, Jésus-Christ. Le pain et l'eau de Dieu et la vie. Alléluia. C'est que Bethléem resterait aujourd'hui, mais rien d'autre que la parole est de nouveau restaurée. Et cette parole-là, pas une partie de la parole étant de l'idée, pas une partie de la parole étant de vos saints, non plus une partie de la parole à l'imitation des pentecôtistes, mais c'est toute la parole. Et si l'Église n'écoute pas toute la parole, il restera dans le système. Il restera dans l'organisation, mais ne pas se rendre compte, alléluia, que ce n'était rien d'autre que les limitations. Mais on nous dit, retournons à notre Bethléem. Alléluia. Et notre Bethléem, ce n'est pas un système dénominationnel. Mais notre Bethléem, c'est Jésus-Christ, toute la parole. C'est cette parole-là qui était dans la chair, et c'est cette parole-là qui a créé. Alléluia. Depuis le commencement. Alléluia. J'ai soif. Je m'en vais directement au paragraphe 58. Je crois que vous êtes avec moi. Amen. Je te prie d'être miséricordieux envers ceux qui sont malades et affligés. Il y en a ici, Seigneur, qui ont besoin d'être touchés par ta main guérissante. Oh Seigneur, tu as restauré Bethléem. Alléluia. Oh Seigneur, tu as restauré Bethléem. Voyez-vous que restauré Bethléem est restauré? Les Branham, c'était de sortir du système dénominationnel pour que le pousse. Alléluia. Dans la possession de sa glorieuse promesse du jour. Et la glorieuse promesse du jour, c'est que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, devait de nouveau se révéler à son épouse. Et aujourd'hui, alléluia, l'épouse est ici. Amen. La totalité de la parole que les autres âges n'ont pas pu recevoir. Et la raison pour laquelle, amen, elle a cette assurance d'aller rencontrer le pouls. Parce qu'il a dit, mes brebis entendent ma voix. Et l'épouse a entendu la voix de l'épouse. Quand la voix telle, l'épouse marche vers le royaume. Il ne regarde pas ce qu'elle est, mais la grâce de reconnaître la voix. Si la femme a reconnu la voix, si les brigands ont reconnu la voix, si les prières ont reconnu la voix, sois contenant de ceux qui reconnaîtront la voix. Ce n'est pas appartenir à l'église qui te sauvera, ce n'est pas appartenir à l'église qui te sauvera.
Non qu'il n'a pas tenu à une quelconque nation, mais avoir la grâce d'entendre la voix qu'on lui fait. Alléluia. Aimer. La femme samaritaine était considérée comme une prostituée. La femme samaritaine avait toutes les qualifications. Mais elle est. Alléluia. Aimer. C'est cacher l'élément déclenché. Il y avait l'alarme à l'intérieur. Quand la voix n'est pas entendue. Alléluia. Il est temps pour moi de m'envoler, il est temps pour moi de m'en aller. Je ne resterai plus dans la masse courte, ni je ne resterai plus dans l'église des hommes, non plus dans la dénomination. Mais la mère aigle appelle. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je crois que vous aimez la parole. Amen. Je réalise que vous aimez la parole. Amen. Et on a dit, tu as restauré Bethléem et il a ramené à toute sa gloire précédente. Il a restauré au temps de la dépression. Quand elle était malade, il l'a ramené. Et il a fait venir Naomi à la saison des anges. Voyez-vous que nous sommes au temps de la moisson? Mais, Père, nous te prions de ramener chaque Naomi, chaque personne ici qui est dans les besoins. Je te prie, oh Dieu, oh Seigneur, nous sommes en pleine saison des anges. C'est grand péloge qui a été roulant de la colline jusque dans les champs de l'Énergie. Je te prie, oh Dieu, d'amener ces grands pains d'orge dans ces bâtiments maintenant. Amen. Et qu'ils servent d'expiation pour les maladies des gens, aussi bien que pour les péchés. Et guéris chaque personne qui se trouve dans la présence divine. Amen. Alléluia. Ne peut-il pas écouter les cris ce matin? Amen. Il est là qui écoute et il est là le seul qui répond. La raison pour laquelle il dit la grande commission, alléluia, qui a été réservée à l'église aujourd'hui, ne pouvait pas être accomplie par Luther, ne pouvait pas être accomplie par Wesley, ne pouvait pas être accomplie, alléluia, amen. Même les pentecôtistes modernes ne seraient jamais en mesure d'accomplir cela. Alléluia. Et vous savez que Branham est envoyé chez les pentecôtistes. Alléluia. Il aurait fallu, amen, qu'il y ait changement de dispensation. Alléluia. Nous devons quitter une dispensation à une autre. Alléluia. Et Branham, qui était le messager chez les pentecôtistes, pouvait leur dire simplement au revoir. Alléluia. Je vais m'habiller d'une autre veste. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. L'état présent de mon ministère. Il dit, je vais perdre même la Zambie. Je sais. Amen. Et la nourriture de l'autre côté. Les petits poussins ne pourront jamais entrer là-bas. Rien de l'œuvre qui sera capable de lui entrer. Yeah.
Ne fais pas cela.
ne fais pas ceci, tu ne ferais pas ça, tu ne ferais pas ceci, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Mesdames, prends le message comme un ensemble de codes, de règles, des interdictions. Je dis, j'ai compris. Alléluia. Écoutez, savez-vous que les sacrificateurs vivaient dans les villes? Amen. Ceux qui prêchaient la loi de Moïse. Amen. Mais lisez la Bible. Vous allez remarquer que les prophètes, souvent, ils vivaient en dehors des villes. Amen. Oh, si tu blesses la brebis de quelqu'un, tu dois remettre le double de cette brebis. Oh, si tu prends la femme de quelqu'un. Le prophète était même loin de la ville. Il n'était pas concerné par ces choses-là. Il était loin de la ville dans la présence du grand Jéhovah. Cela signifie que le prophète ne respectait pas la loi. Cela signifie ça? Il n'avait pas le temps de prendre la femme de quelqu'un parce qu'il vit déjà seul. Il va le voir à la fois. Oh non, s'il blesse la brebis de quelqu'un, le sacrificateur le prendra, il l'amènera. Il n'en a pas l'occasion. Correct. Mais est-ce que le prophète c'était des Israélites? Oui. Il croyait dans la loi de Moïse? Oui. Mais regardez, dans Apocalypse 12. Le soleil était au-dessus de l'épouse, mais la lune était sous ses pieds. Et frère Branham dit, la lune typifiait la loi. Le soleil, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là à discuter de la longueur de la jupe. Si tu discutes de la longueur de la jupe, tu es en train de vivre dans la Odyssée. Amen. Nous ne sommes pas là à savoir si nous devons jouer un seul ou deux, si nous devons payer la dîme ou non. Nous ne sommes plus concernés par cela. De cela. Qu'est-ce que cela signifie? Ma jupe. Nous ne savons même pas que nous vivons le message. Nous ne savons même pas. Parce que c'est devenu notre vie. Comprenez-vous cela? À moins que vous soyez quelqu'un qui est venu hier. Mais si vous êtes ici avec moi, je serais étonné qu'on vous dise, oh, vous avez mis le pantalon ou votre jupe est là. Non! Non! On n'a plus le temps pour ça. Nos jupes sont déjà là depuis longtemps. Pourquoi? Parce que nous sommes retirés quelque part. Est-ce que c'est là? Merci, Père. Il y a eu une bagarre, une guerre. Le défi a été lancé à Israël. On a envoyé le prophète chercher celui qui pouvait relever le défi. On arrive chez Isaïe, Isaïe tabernacle. Il fallait quelqu'un pour relever le défi. Qui? Eliab. Samuel, il veut prendre Eliab. Je l'ai rejeté. Oui. Abinadab, je l'ai rejeté. Qui? Shama, je l'ai rejeté. Jusqu'à 7. Oh, mais 7, normalement, ça s'achève. Mais il y avait un 8e. Voulez-vous savoir quelque chose sur ce 8e? Même
son propre papa l'avait oublié. Il ne pensait pas qu'il pouvait être roi. Alléluia. Mais c'était le fils d'Isaïe. La huitième, c'est deux zéros qui se superposent. Je ne sais pas. Vous avez compris maintenant pourquoi j'ai lu le saut des Pâques? Je ne connaissais pas sa prédication. Mais Frère Branham m'a dit dans le saut des Pâques 33, la Pentecôte a commencé pour ne pas prendre fin. Je vous ai dit ici sans expliquer que même après l'enlèvement, la Pentecôte va continuer. Levez les bras, ceux qui me croient. Bon, ceux qui ne sont pas de cette église, vous pouvez ne pas croire, c'est pas grave. Mais ceux qui sont ici, levez le doigt, tous. Oui, j'ai regardé. Vous avez eu la réponse ici. Je vous la donne. Elle continuera quelque part en Israël. Frère Branham me dit, les 12 tribus recevront le même message que vous. Les mêmes signes que vous, la même Pentecôte que vous. Est-ce que j'ai raison? Elle continuera. Mais bien sûr sans nous. Elle a commencé là-bas, à l'an zéro. Elle va jusqu'au septième âge. Et puis une poignée se détache. Parce que les Pentecôtistes ont rejeté le message. C'est toi cette poignée. C'est toi ce petit troupeau. Amen. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce que tu ne feras pas ceci? Tu ne feras pas ceci? Pourquoi est-ce que nous, le pasteur dit que ça ne nous concerne pas? Parce qu'on ne trouve pas ça. Où? Nous avons avalé. Quand vous avalez le livre. Dans Hébreux 10, la parole de Dieu dit, je ferai avec vous une nouvelle alliance. Les paroles, je les mettrai dans les iPad. Elles seront dans les brochures. Elles seront emmagasinées à la foi de Dieu. Et elles seront où les paroles? Vous voyez? Sur la table de Noé. Les comprenez-vous? Que Dieu soit béni. C'est pourquoi l'histoire de la vallée ne peut pas être en retard. Apocalypse 10, de 1 à 7, c'était le message de Frère Branham. Amen. Mais nous commençons de 8 à 11. N'est-ce pas? Amen. L'épouse devait avaler le livre. Amen. Et qui devait faire l'épouse? L'épouse va prophétiser encore. Amen. Est-ce que c'est clair? Bethléem est restauré. Si quelqu'un est en train de vivre dans le trouble, dis-lui, ne restez pas ici. Parce que Bethléem a été restauré. Alléluia. Regardez, Moab avait des visions avec Balaam. Moab, c'était quelqu'un de prière. Quand Balak avait demandé à Balaam de maudire Israël, regardez, Israël avançait. Parce que Frère Branham dit, quand il sortait de l'Égypte pour aller à Canaan, Israël était dans un réveil. Dans ce réveil, il y avait des signes, il y avait des miracles, il y avait des visions, des prophéties. Mais Moab avait aussi ça. Mais quelle était la différence fondamentale? Moab, il n'avait pas la loi de Moïse. Mais toi, tu as les visions. Toi, tu as les miracles. Mais tu gardes la loi de ton Moïse. Qu'est-ce qu'on nous a dit ici il y a une semaine? Médite le jour et nuit. Amen. Amen. Bien aimé, si Bethléem est restauré,
tu reconnaîtras ton message et le messager. Est-ce que vous êtes là? Si Bethléem est restauré, ça sera Jésus-Christ. Comme le pasteur l'a dit. Et ça sera toute la parole. Nous ne laissons pas toute la parole. Nous ne laisserons aucune de ces paroles. Nous ne laisserons aucun iota. Tout ce que la parole de Dieu dit nous concerne. Mais la différence, comme je vous l'ai dit, tu ne pouvais pas dire à Samuel, Samuel, quand tu as commis des histoires, tu prendras une brebis, tu vas amener, je ne sais pas, au sacrificateur. Je pense même que vous allez vous coûter. Pendant qu'il répétait la loi de Moïse là-bas, Samuel vivait au-dessus de cela. Si notre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, alléluia, le royaume des cieux n'est pas pour nous. Liste de la vallée, amen, le temps est arrivé pour toi, amen, de manger, amen, la parole de ton temps. Amen. Le temps est arrivé, amen, de te réjouir des promesses de ton temps. C'est les promesses qui s'accomplissent. Les promesses qui sont proclamées. Nous avons des promesses. Et des promesses uniquement pour nous. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Tu n'es pas une dénomination. Parce que tu as reconnu le message. Tu as reconnu le messager. Oui, frère, maman. Tu as reconnu le message et le messager. Je bénis le Seigneur qui aujourd'hui nous a dit que Bethléem est restauré. C'est une grande nouvelle, n'est-ce pas? Si tu te retrouves quelque part, alors que tu es ici depuis longtemps, mais dans tes pensées, tu es toujours pentecôtiste. Dans tes pensées, tu es toujours dans une église du monde. Dans tes pensées, dans ton fonctionnement, tu es toujours quelqu'un du groupe de prière. J'aime bien ce qu'il a dit. Il dit, quand la parole est restaurée, quelle est l'attitude de l'épouse? Il acceptera la correction. Je l'ai lu plusieurs fois, même dans le trône de miséricorde. Frère Branham dit, quand on te fait un reproche et que tu te fâches, il dit, ça montre que quelque chose ne va pas chez toi. Nous prenons ce message. Nous te redressons. Toi, tu ne veux pas. Tu n'étais pas des nôtres. Est-ce que vous êtes là? Bien-aimés, nous devons savoir. Ne mesurez pas votre vie par votre capacité à accomplir des miracles ou avoir des visions. Mesurez votre vie en rapport à votre humilité, par rapport à toute cette parole, le message de frère Branham. Êtes-vous prêt à laisser ce message être au-dessus de toi? La loi sera là au-dessus. Mais le message, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Bethléem restauré. C'est le message de frère Branham. Lise de la vallée, acceptez-vous que cela soit au-dessus de nous. Amen. Moi aussi je l'accepte. Cette parole a le droit de me reprocher. Elle a le droit de me redresser. Oui, adorons-le. Oh Jésus. Yeah.
Nous te disons merci, Père, de nous avoir parlé encore ce jour. Ce que nous voulons, Seigneur Jésus, que chacun de nous ici soit restauré. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de chacun de nous, Seigneur, nous sommes les bétélèves. Nous voulons être restaurés, Seigneur, pour être prêts ce jour-là à te rencontrer dans les airs. Car c'est cela le dernier espoir qui nous reste, de te rencontrer dans les airs. Bénis ton serviteur qui a apporté la parole, Seigneur Jésus. Bénis chacun de nous qui a écouté aussi la parole, Seigneur Jésus. Que cette parole puisse devenir la vie en nous. Et que nous ne soyons pas dans la distraction, Père. Et que nous puissions croire cette parole, devenir cette parole et vivre cette parole. Nous remettons le reste de notre culte entre tes mains. Bénis ce service de Dieu, mes offrandes, Père. Nous prélevons cela afin que notre culte soit complet. Nous remettons toutes choses entre tes mains sous ton contrôle. Nous te prions ainsi, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Pour ce bon repas qui nous a été offert. Nous allons ruminer cela, Seigneur. Nous allons digérer cela. Tu as ouvert les yeux de nos cœurs, Seigneur. Tu nous as appliqué la colline, car l'épouse s'est-elle déjà préparée, Jésus. Nous ne sommes plus dans la dénomination. Nous avons une autre nature, Père. Tu nous as changé, tu nous as fait quitter du monde pour arriver dans la terre promise. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment, Seigneur. Oh, comme il est dit, la parole qui est descendue comme la pluie, puisses-tu, Seigneur, bénir encore ton serviteur, le remplir encore. Seigneur, là où est sorti, Seigneur, qu'il ne manque rien. Utilise-le encore puissamment, comme tu ne l'as jamais fait. Souviens-toi de son église, de sa chère épouse, de tous les frères qui l'ont accompagné, Seigneur. Sois avec eux sur le chemin de retour, que ton ange marche au-devant d'eux, éloigne toute la puissance du monde des ténèbres. Ainsi, Seigneur, nous te remettons ici notre retour entre tes mains, que chaque fils et chaque fille qui est venu écouter ta parole, Seigneur, puisse retourner dans la joie. Comme Naomi, Seigneur, lors de la moisson, elle est retournée pour aller chercher sa part. Nous avons reçu notre part, Seigneur, car nous sommes au temps de la fin et que la moisson est là. Seigneur, nous avons reconnu notre position. Bénis les dîmes et les offrandes pour que ton culte soit complet, Seigneur. Nous te les mettons entre tes mains, ces offrandes et ces dîmes. Bénis-les, Seigneur, souviens-toi ceux qui avaient donné quelque chose. Ceux qui n'ont rien donné, Père, souviens-toi aussi d'eux. Que ta main soit avec eux. Nous remettons notre semaine entre tes mains. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.